Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la foule se déchaîne sur vous? Ah non, je ne savais pas que vous étiez à ce point célèbre. Mais non, mon pauvre ami, ce n'est pas pour moi. C'est pour ma fille. Votre fille? Eh oui, ma Natacha est très grande, peut-être. Elle ballerine extraordinaire. Je l'accompagne pour une tournée au Canada. J'ai pensé pouvoir sortir incognito de Russie. Ah, alors c'est donc pour ça que vous êtes affublé de la sorte. Mais vous ne venez donc pas au Canada en vacances, mais pas du tout. Non, ma Natacha doit donner un spectacle à la place des arts nationales. Elle fait partie des grands ballets nationaux slaves. Elle, grande et vedette. Mais Darius, vous ne les saviez pas. Je suis le père de Natacha Rapatapov. Hémisphère d'hémisphère. Natacha Rapatapov, votre fille? Mais tous ces gens veulent son autographe. Mais nous devons absolument partir d'ici. Essayons de nous hisser jusqu'à elle. Nous en avons pour des heures. Ne voyez-vous pas tous ces admirateurs? À la guerre, comme à la guerre. Hey! Ma surprise, c'est... Natacha Rapatapov. Mmh. Oui, c'est une grande vedette de Russie. C'est la petite ballerine que nous allons voir demain à la Place nationale des arts. Oh, wow! Wow! Et sur la vidéo, nous allons la voir en répétition. Elle est déjà extraordinaire en répétition, alors imaginez en spectacle. Oh, je pense que ce sera grandiose. Alors, on s'assoit confortablement sur sa chaise. On regarde avec ses deux yeux. Privet. Pourquoi c'est une grande vedette. J'aimerais tellement ça être comme elle. Chut. Bonjour. Privette. Privette. Vous pouvez commencer à ramasser vos choses, les amis. L'école est finie. Lucille, est-ce que je peux faire mon projet sur Natacha Rapatapov? Ben oui, Robert. Ah oui? D'ailleurs, je vais vous donner des feuilles sur lesquelles j'ai noté des renseignements sur le ballet classique. Je pense que ça va être très utile. Il y a un grand chapitre sur le ballet russe. Tu vas trouver des informations sur la petite Natacha. Ah oui? C'est où? Ici. Oh, merci, hein. Vous prendrez des feuilles, tout le monde, hein, puis n'oubliez pas votre plan de travail. Je l'ai. Natacha Rapatapov, née en Russie le 4 juillet. Moi aussi, je veux faire mon projet sur la danseuse russe. C'est une très bonne idée que tu as eue. Je suis bonne en dessin. Je pourrais te passer mes crayons feuilles que j'ai eus à Noël. On pourrait faire ce que tu voulais. Écrire un livre avec plein de dessins de Natacha Rapatapov. Robin? Robin, quand est-ce qu'on commence? Est-ce que je peux te téléphoner? Oh oui. Enfin. Je
Je vais pouvoir travailler avec lui dans sa belle grande chambre à lui tout seul. Sans être dérangé. Sans puce. Sans barracuda. La paix. Enfin la paix! Est-ce que tu m'as parlé, Lola? Oh non, non. Merci. Minha zavut kartofil. Moi, c'est Laski, Amiski de Toiski. Privet. Ya ballerina. C'est là. C'est Natacha, la danseuse de ballet. Invitée par la Place nationale des arts. Ah, enfin! Quelqu'un qui parle une langue que je comprends. Ah, tu parles français? Mais oui. Ah, elle est bonne! Oh, bienvenue, Natacha. Et mon nom, c'est Robin. Puis j'ai assez hâte de voir ton spectacle. Ton spectacle? Quel spectacle? Tu la connais? Mais oui, c'est la grande danseuse des grands ballets slaves. Privet. Privet. Et j'ai lu quelque part que tu fais de la danse depuis que tu as 4 ans. Hein? Tu sais, pour moi, t'es la plus grande danseuse. Ah oui, puis j'ai lu aussi que plein de choses sur ta vie. C'est vrai? Je suis honorée, je suis très honorée. Ah oui, t'es vraiment une grande vedette, hein? Une grande vedette? Natacha, moi, je m'appelle Stella. Et je vais m'occuper de toi pendant toutes tes vacances. Oui. Je vais te présenter à tous mes amis. Hein? Oh, puis je vais t'amener visiter la ville là, tant que tu voudras. C'est très gentil de ta part, chère amie. Mais je ne suis pas en vacances du tout. J'ai un très grand spectacle qui commence demain à la Place nationale des arts. Oui, je le sais. J'ai même mon billet, moi. Oui. J'ai assez hâte, on y va. Oui, moi aussi, j'y vais. Comme ça, tu fais partie du spectacle? Mais c'est là. C'est elle, la vedette. Ah, tu sais, je suis très contente de te voir en personne parce que, mais à l'école, là, j'ai un grand projet. Puis mon travail, j'ai décidé de le faire sur toi, puis ben, sur les grands ballets russes aussi, mais... Si j'ai un peu de temps, je pourrais discuter avec toi. Le ballet russe, je le connais très bien. Je le connais depuis que je suis toute petite. Toi, Stella, sur quoi tu fais ton projet? Je réfléchis. Natacha, ça, ma chérie. Oh, hémisphère. Natacha est un véritable phénomène, c'est inouï. Ouf, quelle journée! Heureusement, les spectacles de Natacha n'ont lieu que demain. Cela donne tout juste l'état de se préparer pour la grande première. Oh, à propos, est-ce que vous avez, comment est-ce que vous dites, une grosse bible de téléphone? Vous voulez sans doute dire un potin, peut-être? Oui, un potin, c'est un potin. Oui, une potin. Oui. Il faut que je trouve un chauffeur pour déplacer mon moi dans la ville. Il faut que je me rende à l'aéroport, chercher valise et mal des costumes des scènes de Natacha. Pauvre valise! Faut avoir pris Rapidotron, comme Natacha et moi. Ah, c'est Rapidotron. Ah, quelle merveille! Extraordinaire! Allez, le bottin, c'est par ici. Allez, Natacha. Allez, voir. Bottin? Oui, le bottin. Ah oui, les bottins. Bottin. Avec un bain comme dans Patouche. Exactement. Robin, il faut absolument que tu m'expliques c'est quoi ton histoire de projet, là. J'ai rien compris. Oh, je vais tout t'expliquer. Suis-moi. Je te suis. Un projet sur le ballet classique à l'école? Vous avez vu une vidéo sur Natacha, mon invitée. Et Lucille, elle nous a remis un plan de travail. Écoutes-tu? Regarde. C'est des détails, ça, Robin. C'est pas important. Elle nous a remis des feuilles à lire et tout. C'est pas important, ça. Bon, on regarde le plan ensemble. Je l'ai, Robin. On va faire un reportage.